Bonjour, bienvenue à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, donc aux adhérents de Yoga Valence. Je salue aussi les adhérents d'Angika Yoga. Voilà, je vous donne simplement quelques nouvelles de sa santé. Donc elle a besoin d'un repos bien involontaire, elle voudrait bien être avec vous en ce moment. Mais bon, pendant le temps où ce repos est nécessaire pour elle, voilà, vous êtes assuré d'avoir ces kriyas de yoga ainsi que les méditations. Je vous dirai à la fin comment faire pour vous relier aux méditations. Donc je vous invite aujourd'hui à un kriya pour percer la gangue, la prison dans laquelle est enfermé notre cœur. Voilà, c'est un kriya sur le chakra du cœur. Avec le mantra Ramadasa Sa Seso Ong. Ce mantra, sa signification profonde, voilà, on ne va pas passer tout un temps à l'expliquer parce que ça prendrait beaucoup de temps et que je n'ai pas un matériel pro et du coup, voilà, ça m'empêcherait de finir la vidéo du kriya et de la relaxation. Donc vous irez trouver ces explications sur le Ramadasa Sa Seso Ong et sa puissance, sa grande puissance sur la méditation. Je vous indiquerai à la fin de ce kriya comment faire pour aller voir les explications détaillées. Ce mantra, c'est le mantra de la guérison, le mantra de la reliance à tous les éléments de l'univers dans leur plus haute vibration, dans leur vibration sacrée. Donc entre chaque posture, vous mettrez les mains en Gyan Mudra, poussez index en contact, posez sur vos genoux, vous fermerez les yeux et vous laisserez ce mantra s'intégrer à l'intérieur de vos cellules pour votre propre guérison, pour la guérison de tous les êtres de l'univers. Voilà, nous allons commencer par le Om Namo. Donc je vous invite à bien vous asseoir sur le bord de votre coussin, colonne dans sa courbure naturelle, bien posée sur votre chakra racine, en reliance avec la terre, mère. La colonne vertébrale faisant le lien entre ce lien à la terre et ce lien à l'univers. Le lien à l'univers, il est représenté par le chakra coronal. J'aime bien le répéter dans ces vidéos, en début de vidéo. Voilà, donc soyez bien à la fois dans ce chakra racine, dans cette colonne vertébrale, cet arbre de vie qui relie les deux, et le chakra coronal au sommet de votre crâne qui vous relie au grand tout. Fermez les yeux, portez la conscience entre les deux sourcils et joignez les deux mains paume contre paume devant le centre du cœur. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Oh.
Inspirez profondément. Retenez votre souffle, pressez sur vos paumes de main, tirez un léger moule-bande. Expirez. Avant d'ouvrir les yeux, restez un moment pour observer cet alignement intérieur. Reliance à ce qu'il y a de plus sacré à l'intérieur de vous. Pour le premier exercice, je vous invite à vous mettre debout. Alors, je ne sais pas si l'emplacement de la caméra va permettre de voir la totalité de la posture, mais enfin, bon, voilà. On va faire de notre mieux. Alors, vous allez crocheter les deux pouces. Sur l'inspire, vous allez, donc les pieds déjà sont bien ancrés dans le sol. Sur l'inspire, vous vous étirerez vers l'arrière en élevant les bras vers l'arrière. Sur l'expire, vous allez relâcher ce mudra et aller poser les deux mains devant vous. Si vous n'y arrivez pas, voilà, vous les posez là où vous pouvez sur vos jambes. Vous reprenez les doigts crochetés, les pouces crochetés. Vous repartez, vous arquez votre colonne vertébrale vers l'arrière. Et sur l'expire, vous descendez lentement. Vous pouvez vous étirer quand vous arrivez au milieu de la posture, vers l'avant. Et puis, vous relâchez complètement. Relâchez bien la tête. Et vous repartez, ainsi de suite. Voilà, faites-le à votre rythme, Sat sur l'inspire, Nam sur l'expire. Vous relâchez bien, chaque fois sur l'expire. Et sur l'inspire, vous allez puiser l'énergie de l'univers. Expire, vous déposez à la terre, tout ce qui vous encombre. Et vous continuez ainsi, à votre rythme. En restant bien ancré au sol, sentez bien vos racines dans vos pieds. Vous vérifiez que vous soyez bien ancré, parce que si vous êtes très bien ancré, très bien dans vos racines, vous pouvez faire l'exercice les yeux fermés. Dès que vous ouvrez les yeux, votre attention, votre mental devient actif, votre attention s'échappe, vous n'êtes plus à l'intérieur. Restez bien les yeux fermés, les deux plantes de pied bien rivées au sol. En coordination avec votre respiration. Vous élevez une dernière fois les bras, les pouces crochetés. Vous allez rester dans cette posture, les bras en l'air. Et vous revenez votre colonne à la verticale, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez profondément. Expirez. Une deuxième fois, vous inspirez. Étirez bien les bras vers le haut. Expirez.
Une troisième fois, inspirez à fond, toujours les paupières closes, retenez le souffle, moule bande, laissez monter l'énergie vers le sommet du crâne. Expirez, relâchez les bras, restez les pieds bien ancrés. Mettez les mains en Guyana Mudra, poussez index en contact, les bras bien relâchés le long du corps. Vous restez debout pour cette petite pause et vous allez recevoir le Ramadasa, les yeux fermés. Laissez ce mantra de la guérison. Venir s'ancrer dans vos cellules. Sentez cette énergie qui rentre à travers vos paumes de main et qui vient visiter toutes vos cellules sans l'intervention de votre mental. Je vous invite à mettre les deux mains sur le cœur, les pieds toujours bien ancrés, pour venir centrer cette énergie dans le cœur. Inspirez profondément, expirez, je vous invite à venir vous allonger sur le sol pour la deuxième posture. J'espère que vous me voyez. Voilà, alors pour cette deuxième posture, je vais peut-être quitter mon gilet pour un peu plus de visibilité de la posture. Donc pour cette deuxième posture, vous allez élever les deux jambes, les pieds l'un contre l'autre, les pieds tendus vers le haut et les deux bras à 90. Les deux bras sont de la largeur de vos épaules, les mains dans le prolongement de vos bras. Vous allez respirer longuement et profondément dans cette posture. À un moment, votre corps va se mettre à trembler et va évacuer toutes les tensions de votre être. Donc laissez-le faire, surtout ne bloquez rien, respirez longuement et profondément. L'inspirez le plus long possible, l'expire aussi le plus lent possible. Voilà, laissez trembler. Respirez lentement. Vous pouvez même rajouter une rétention entre l'inspire et l'expire. Tenez bon. Encore 30 secondes, tenez bon. Essayez de garder les jambes tendues, les bras tendus. La tête est bien relâchée au sol. Inspirez Sat. Expirez Nam.
Sat, c'est votre essence. Nam, c'est la manière dont vous laissez incarner cette essence dans votre quotidien. Tenez bon encore quelques secondes. Inspirez profondément. Expirez. Une deuxième fois, vous inspirez. Expirez. Une troisième fois, vous inspirez à fond. Vous retenez le souffle. Moule bande, laissez monter l'énergie vers le sommet du crâne. Expirez, reposez les jambes au sol. Détendez complètement les bras le long du corps. Mettez les mains en Gyan Mudra. Poussez index en contact, laissez les yeux fermés, recevez le mantra. Quelques instants ainsi, et puis vous viendrez vous mettre assis jambes croisées le temps que je vous explique la posture du triangle. Alors je vous demande d'être bienveillant avec la sono, parce que d'habitude j'ai un curseur qui est qui s'adapte bien à mes besoins, donc je baisse la musique en temps voulu. Là c'est un peu différent avec cette tablette, donc parfois vous allez avoir des coupures un peu brusques, voilà, j'en suis désolée, c'est pas du tout mon intention. Alors, pour la posture du triangle, je vous la montrerai bien sûr, vous allez vous mettre debout, donc les pieds, les plantes de pieds, les paumes de main vont être des prises de sol bien posées à plat, et votre corps va faire un triangle, c'est-à-dire que vous aurez une ligne droite depuis vos fesses jusqu'à vos talons. Les plantes de pieds sont vraiment collées au sol. Et non pas, vous n'êtes pas sur la pointe des pieds. Et ensuite, vous aurez une autre ligne qui ira de vos fesses jusqu'au sommet de votre crâne. Vous relâchez bien la tête. Et la troisième ligne du triangle, la ligne de base, on va dire, sera le sol. Donc, je vais montrer cette posture du triangle pour les personnes qui ont l'habitude, puisque vous êtes tous des adhérents de yoga. Donc déjà, les pieds sont bien écartés. Au début, vous faites une respiration profonde pour vous enraciner dans vos pieds. Et puis, vous allez d'abord inspirer profondément. Et sur l'expire, vous allez commencer à relâcher votre corps et allez rejoindre le sol dans le même écartement que vos pieds. Si vous n'arrivez pas à rester sur la plante des pieds correctement, si vous êtes un petit peu sur la pointe, essayez d'élargir un petit peu votre, la prise de sol de vos pieds, de vos mains.
dans cette posture. Donc, vous allez relâcher la tête, relâcher la nuque, relâcher le dos. Et vous respirez longuement et profondément, en ayant bien la conscience de ces prises, de ces quatre prises de terre dans le sol. Surtout, si toutefois vous avez envie de quitter la posture, vous vous agenouillez, mais vous vous asseoir, les fesses sur vos talons et vous porterez le front au sol. Et vous allongerez vos bras devant vous et vous joindrez vos mains. Pour l'instant, vous respirez si vous le pouvez dans cette posture encore quelques instants. Vous savez que c'est une posture anti-déprime. Donc respirez bien. Voilà, relâchez bien les tensions dans le dos, dans la nuque. Et puis sur le prochain inspire, vous préparez à poser les genoux au sol, sans lever la nuque. Expire, les genoux descendent vers le sol. La nuque va se poser, le front, pardon, va se poser au sol devant vous. Vous joignez les deux mains, paume contre paume, vous étendez les bras devant vous. Paumes se joignent et les bras se relâchent bien au sol et vous écoutez le mantra. Prochain exercice, prendre la posture de la plateforme arrière. Vous allez vous asseoir sans coussin, les jambes tendues devant vous. Prenez le temps de vous relever tranquillement. Voilà, quand vous êtes assis, les pieds sont joints, pointés vers l'avant. Vous allez tendre vos bras vers l'arrière. Du mieux que vous pourrez, voilà, même si c'est un peu difficile. Pour tenir cette posture, je peux préciser que l'on peut contracter les fesses, et même le moule-bande aussi, voilà, pour bien tenir la posture. Vous allez lever les fesses de manière à former une plateforme depuis vos talons jusqu'au sommet de la tête. La tête se relâche un peu vers l'arrière.
Voilà, inspirez profondément dans cette posture. Respirez longuement, tranquillement. Tenez bon. Si vous avez besoin de faire la respiration du feu pour tenir la posture, vous pouvez le faire. Donc je rappelle que la respiration du feu, c'est une respiration abdominale située donc au niveau du bas des poumons. Elle joue sur le diaphragme pour bien remplir le bas des poumons. Ça exerce un nettoyage à l'intérieur de vous. Inspirez profondément. Expirez. Posez les fesses au sol. Posez tout le corps au sol. Laissez les yeux fermés. Relâchez complètement. Remettez les mains en Gyan Mudra. Pouce et index en contact. Laissez le mantra venir habiter votre cœur ainsi que toutes vos cellules. Inspirez profondément. Expirez. Tranquillement, vous allez à nouveau vous relever et vous asseoir sans coussin, les jambes tendues devant vous. Vous allez venir, j'essaie de mettre plus au milieu. Vous allez venir lever votre corps de manière à ce que les jambes soient à 60, votre dos est à 60 vers l'arrière, les deux bras sont tendus, parallèles au sol, au niveau, les mains sont au niveau des genoux et dépassent les genoux. Et vous allez rester dans cette posture, vous pouvez garder les yeux ouverts et respirer longuement et profondément. Si vous arrivez à fermer les yeux, c'est encore mieux. Voilà, vous respirez longuement, profondément, ou vous faites la respiration du feu si vous le désirez.
Tenez bon. Dernière 30 secondes, tenez bon. Faites une respiration du feu dans ces dernières 30 secondes pour tenir la posture. Inspirez profondément. Expirez. Lentement, vous posez le corps au sol. À nouveau, vous mettez les mains en Yan Mudra, les bras bien relâchés le long du corps. Et vous laissez le mantra Ramadasa venir vous nourrir. Sur un nouvel inspire, vous allez venir vous mettre à genoux, assis sur les talons. Voilà, vous entrelacerez vos doigts pour le mudra, donc c'est la fermeture de Vénus. Ce mudra-là, vous allez le porter dans le dos. Vous allez poser le front au sol. C'est une sorte de méditation, le front au sol. Donc les genoux sont un peu écartés afin que la tête puisse bien se poser sur le sol, les épaules bien se relâcher vers le sol. Et vous allez relever le mudra de vos bras, c'est-à-dire tendre vos bras vers le haut et respirer en disant mentalement Sat sur l'inspire, Nam sur l'expire. Si vous avez des lunettes comme moi, vous les enlevez, vous posez votre front au sol et vous levez votre mudra vers le haut. Vous respirez longuement et profondément. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, gardez cette posture. Respirez longuement et profondément.
Gardez la posture. Inspirez profondément. Expirez.